Alors, bah nous sentiment les matchs là. Ah, hyper musclé, très physique, pas de jeu, parce qu'effectivement, club non plus pas venu fâcher, hein, donc on voit bien qu'on a joué, il jouait des balles directes, il sautait une déterrée là, donc nous sommes obligés de faire. Après, quoi, ça pas même bail là, parce que si nous faisons jouer là, c'est nous qui avons pris une rencontre. Alors, encore, il est venu pour ça. Donc nous faisons exactement ça, il fait. Hein, puis, nous savons très bien que. Et qu'il y a quoi qu'il y a. Et qu'il y a bon fait. Donc, moi, le bougla, donc. Encore, vous mettez jusqu'à la fin, et puis. Nous continuons ça. Voilà. Vous lancez une match nul. Moun qui dit bon ou pas à game, ou pas à perdre non plus. Ça, c'est vrai. Moun qui dit pas à game, non pas à game non plus. Mais bon, effectivement, nous avons le match nul qui était largement à la portée de nous. Nous avons pas été réussi. Et c'est aussi qui a fait nous. Donc, on va penser que le match nul a fait partie du pénal à nous. Donc, bientôt, après la première victoire, on va penser que ça a été déclenché. On nous donne, dis-nous quoi penser du match. On a fait un bel petit match. C'est dommage que, bon, après défensivement, nous pas arriver. Oui, mettez-vous là pour construire nous. Bon, c'était moins. Héros de jeunesse, on va dire. C'est un bail qui a travaillé, donc on va penser qu'à l'avenir. Et d'autant plus que c'était pour grâce à jouer. Nous avons joué. On a joué, puis on a entraîné, puis on a joué. Maintenant, c'est une confiance qu'on a chez nous. On est persuadé que les prochains équipes de la Réunion vont passer la maille. Okay. Alors, après, ça nous fait parler d'où? Puisque où censé porter Bayou justement ça? L'expérience, tiens les boules, contrôler les boules, et puis surtout Bayou anti-assise. C'est vrai que, bon, on a une certaine expérience. Donc, on est. À quel moment? C'est pareil, comme on va dire, au petit moment, on mettait boule à terre, ça m'a pu porter ça. Bon, à présent, on a redit encore que, on est persuadé que c'était un cas. Donc, il y avait moins dans le championnat de Gédonéa, et nous pas qu'à ridicule. Allons, juste l'Africa, 3-7 à 0. Ouais, la victoire est au bout. La victoire est au bout, mais par contre, c'était un match très difficile. Hein. Bon, par contre, ne croyez pas que c'est un match facile parce qu'on a gagné 3-0. Mais ça m'a fait plaisir de gagner parce qu'il y avait le match de foot qu'on a fait match contre le club colonial. Et ça m'a fait plaisir de gagner avec les filles. Mais par contre, plus au service qu'on a gagné ce match en attaque, on n'a pas beaucoup d'attaquantes. Hein. Bon. Plus en défense, au service et le contre. Bon, physiquement, elles ont tenu le coup puisqu'elles ont joué à 7 contre 14 ou 15. Quelle est la recette? Bon, la recette, c'est que bon, c'est l'entraînement. La recette, c'est l'entraînement. Il faudrait qu'on s'entraîne. Et puis, peut-être qu'ils sont habitués de jouer ensemble. Il y a deux qui sont au pôle, donc l'habitude de s'entraîner. Donc, voilà. Donc, l'effectif, c'est important, mais je préfère jouer avec 9 joueuses et puis voilà, elles sont à l'écoute. Quoi. Est-ce que c'est l'effet Fête de Grand-Rivière qui a porté cette équipe, qui a fait qu'elles ont trouvé les ressources pour aller battre ce club colonial? Ouais, c'est que aujourd'hui c'était un bon jour, c'est la fête patronale, il y avait beaucoup de monde, les filles elles veulent bien gagner ce match, elles voulaient gagner ce match, donc voilà, donc elles ont fait des efforts pour gagner ce match. Voilà.